fait effet. Je n'en crois pas, messieurs. Les hommes de Volstagg osent venir ici. Volstagg a dévoré mon bétail et jeté ma cabane dans le fleuve. Tuez-les! Tuez-les tous! Ok, donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Kaiser von Kersten, j'espère que vous allez bien. Et là on a une mauvaise surprise, c'est que la bannière de Volstagg en fait, est assez hostile apparemment, c'est les clans scandinaves. Ces hommes semblent attirés par la bannière de Skull. Utilisons-la pour attirer les chefs de clan et les vaincre. Ils cesseront peut-être de se battre. Alors, donc là. On a des taxars champions dans cette mission, c'est plutôt pas mal. On a la bannière, donc là, ce que je fais, je construis des tours, ça va nous être utile. Donc, on va essayer d'attirer. Donc on va faire en sorte que nos toits se couvrent entre elles, ça va être utile. Je vais aussi faire des créneaux, tiens, ça va être pas mal ça. On aura assez de ressources, donc là nous à lanceur d'âge, on va bâtir les 5 tours. Je vais en mettre une là et une au centre. Et je vais mettre mes troupes tout de suite en position défensive. Troisième tour au centre. Nos plites, là, il nous reste que 5. Je vais pouvoir mettre une source soignante aussi, je vais la mettre je vais la mettre là, tiens. Comme ça vous allez pouvoir vous soigner. Allez, construis-moi cette tour. Et de 3. Je vais peut-être dire à diviser encore en 2. Avec nos 5 tours, là je pense qu'on pourra bien les calmer. On a mis les créneaux pour aller optimiser la chose, donc position défensive. Alors la bannière de Volstagg, elle est où? Elle est là. Je pense qu'on va commencer par ce clan là, le clan rouge là. On va devoir tuer ce Hersir. Le but c'est d'éviter de tuer tous les hommes. Hein. Wow. Bon là les gars, il y a de la visite. Ah, il court après mon porte-étendard, les sacs. Bon allez. Je vais dire aux archers de se concentrer sur le lanceur de hache. Mais bon, là le but c'est tuer les chats tout simplement. J'aimerais juste ça quoi. Bon, les archers ont tenu. Putain, nouveaux plites qui sont encore là. Bon, c'est cool. Le but là, il faudrait essayer de taper leur. Ou alors ici, ils ont quoi, des hussards? Ils ont beaucoup de troupes, c'est ça le problème quoi. Et si j'attaquais leur port? Non, ils s'en foutent. Bon, bah, elle est ancienne, hein. Ça m'énerve un peu, mais bon. Moi, je pensais juste qu'en tapant sur les murs, ça suffira, mais apparemment, c'est pas le cas. Là, j'aurais des pouvoirs, là, je mettrais foudre sur un des chefs. Allez, Arcontos, un petit coup de cri de guerre. Allez.
Parfait. On a réussi notre opération. On va envoyer tout de suite nos héros sur le RCR ennemi. Hop. Zou, Zou, et feu à volonté sur le RCR, il faut le fumer. Si vous le fumez rapidement, on a peut-être nos chances. Allez. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon. Pfiou. Une armée de récupérer. Plus on aura de Scandinaves qui veulent nous joindre, mieux ce sera pour nous. On va les soigner nos héros. Putain, on a déjà tout ça de Scandinaves. Donc la prochaine, là, je pense que lui, on le fera en dernier. La logique, ça serait qu'on aille chercher le clan là, du clan de Vibald, le violet. On a tout ça de lanceur de hache quand même. Je vous laisse un peu imaginer les dégâts que ça peut faire. Où est la bannière au fait? On va essayer de les provoquer, mais bon, j'ai trop moyen. Yes, ils viennent, ils viennent. Oh, ils sont pas qu'un petit peu nombreux, les mecs. Hussard, Huskar en formation. Il y a beaucoup de cavalerie qui nous rejoint. Waouh. Allez, feu à volonté. Donc avec le support des haches et des tours, ça fait le job. Parfait. C'est bien joué ça. Bah où j'ai mis la bannière? Allez. On va essayer de les attirer, mais bon. Avec 32 Huskard. Là, il nous faudrait peut-être quelques unités de... Comment ça s'appelle? Ok. Bon, on va essayer d'isoler chef de clan, mais bon. Moi, je veux bien, hein, c'est pas le souci. Ah, ils viennent. Ah bah, on a trouvé le stratagème. Toi, viens là. Vite, fumez-moi ce hercir là. Allez. C'est fait. C'est fait. Plus qu'un, allez. On va se mettre là. Et on va leur préparer une petite surprise au clan vert. Donc c'est le clan d'Arngrim. Ouh, ils ont des unités de champions là. Cavalerie, offensive et des balistes en prime. Alors là, je vous laisse imaginer les dégâts. Donc on a des Jarls quand même. Replie-toi, toi, t'es ma boule. On va utiliser le drapeau. Ce que j'aime pas avec les balistes scandinaves, c'est le DPS qu'elles font sur les unités. Allez, viens là, toi. T'es le dernier. Allez, venez, coucou. Ah, ils sortent tous, c'est bien. Parfait. Donc là, il faut se faire juste le hercir ennemi et c'est gagné. Allez, feu. Eh, mais il rigole, là. Putain, on va perdre plein de lanceurs de haches, là, c'est à cause de ça. Par contre, le porte-bannière, là, faut le fumer. Allez, feu. Bon, c'est bon, fiou. Vous avez vaincu Arngrim. Vous êtes vraiment un grand guerrier et nous vous suivrons. Ok, donc c'est terminé le scénario, il est bouclé. Tous les chefs de corps scandinaves ont été vaincus et leurs hommes nous ont rejoints. Ce qui fait quand même une grande armée. Et voilà, donc c'est la fin de cette mission 25, donc elle était plutôt simple. Donc, même si j'ai un petit peu galéré au début avec le fait que j'arrivais pas
à utiliser le porte-drapeau correctement, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, allez voir la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser von Karsten, merci d'avoir suivi et à bientôt.